Hola a todas y todos, soy Marta Trivi y hoy me acompaña Óscar del estudio Them Game porque vamos a hablar de The Chut, un juego experimental que se ha hecho pues en colaboración con la Concejalía de Cultura de un pequeño pueblo de Occitania que pretende pues hablar un poco sobre la libertad de expresión. Vamos primero a saludar a Óscar. Hola Óscar, ¿qué tal? Bonjour, ça va super, ma foi. Muchas gracias por estar con nosotros. Por contar un poco del juego, antes de empezar con la entrevista, tengo que decir que bueno, es un título experimental, puede jugarse de manera gratuita y podemos encontrarlos en plataformas de distribución como, por ejemplo, itch.io. Además, es multijugador, por lo que bueno, siempre se puede disfrutar con otra persona y es un poquito mejor. Pero pasemos a la entrevista, que nos va a explicar todo Óscar. Y me gustaría empezar preguntando cómo surgió la colaboración para hacer el juego. ¿Por qué se puso en marcha el desarrollo de Chut? Donc en fait, la première partie de cette collaboration, elle est venue en fait du département de l'Hérault, qui avait un problème de communication avec des jeunes gens qui venaient dans les bibliothèques du département, mais qui consommaient très très peu les médias en général. En fait, qui venaient beaucoup pour les jeux vidéo dans les bibliothèques, parce que dans ma petite capacité, j'ai participé justement à l'avènement du jeu vidéo en bibliothèque, particulièrement dans l'Hérault, grâce aussi aux engagements en fait, du département. Et donc, pour pouvoir parler à ces jeunes, pour ouvrir la conversation, particulièrement sur les questions de liberté d'expression, puisqu'il y avait beaucoup de tensions, ça s'est passé, ça a commencé en fait, toute cette histoire, elle commence un peu après les attentats de Charlie Hebdo, donc qui est un moment un petit peu tendu dans notre histoire de France contemporaine. Et donc voilà, en fait, c'est comme ça que le département de l'Hérault est venu me voir, en fait, voir mon studio, puisque je ne suis pas du tout seul sur cette aventure, et où on a commencé en fait à travailler comme ça sur un jeu qui permet d'ouvrir la conversation sur la question de la liberté d'expression. Pues como nos estabas contando, pues el foco del juego está en hablar un poco de la libertad de expresión y eso en el diseño pues está bastante claro. Me gustaría preguntarte precisamente por cuáles han sido las dificultades para hacer llegar este mensaje y para desarrollar un juego que quiera hablar de un tema tan serio. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très délicat, en fait, parce que la liberté d'expression, c'est quand même un sujet qui est touchy à plein d'endroits. D'abord parce que c'est quelque chose qu'il faut explorer d'abord philosophiquement avant de l'explorer socialement, puis de savoir ce que ça veut dire pour différentes personnes. Chacun a sa définition de ce qu'on devrait aller, de ce vers quoi on voudrait aller dans la liberté d'expression, etc. Et puis, c'est aussi un sujet qui est très difficile à traiter parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la liberté leur permettra à eux de dire ce qu'ils veulent, mais que les autres, il ne faudrait pas trop qu'ils en disent. Puis, c'est, en France, la liberté d'expression, c'est aussi un sujet qui est encadré par la loi, puisque les appels à la haine, etc., ce n'est pas autorisé. Donc, faire un jeu qui ouvre la conversation là-dessus, c'est quelque chose qui est assez... Qui est difficile. Enfin, on marche un peu sur des œufs. Il faut convaincre tous les gens en fait qui sont dans le processus, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont décider. On ne donne pas de l'argent juste hop là, fais un jeu. En fait, il y a plein d'étapes de validation, etc. Et c'est vrai que le plus gros défi en fait, c'est d'abord de découvrir de quoi on va parler, et puis après comment est-ce qu'on fabrique un jeu qui non seulement répond à ces questions-là, mais surtout, en fait, qui répond de manière mesurable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire un jeu comme ça pour rigoler en espérant que ça marche, mais se dire comment est-ce qu'on mesure la réussite de ce jeu. Et mesurer la réussite d'un jeu qui parle de questions sociales, c'est assez difficile. L'objectif, c'était de réussir à ouvrir la conversation, ce que je crois qu'on a relativement bien réussi à faire dans tous les endroits où en fait Chut a été utilisé. Pues una de las partes más importantes que habéis destacado durante la presentación y durante pues, la promoción del juego es que se trata de un juego colaborativo. ¿Podrías explicarnos un poco qué significa esto y, bueno, en el caso de Chut, a qué se debe? Alors, l'idée en fait d'un jeu multijoueur, il a été utilisé tout simplement parce qu'on espère... si moi je me pose comme une figure... qui est discursive, d'accord, je vais avoir un discours et les gens vont m'écouter. C'est pas toujours une grande réussite, particulièrement avec des jeunes gens qui n'ont pas très envie d'ouvrir le dialogue. Donc c'est plus facile pour moi de se débrouiller pour que les gens qui jouent
parlent entre eux et ouvrent entre eux et entre elles la conversation autour de ces sujets. Et qu'en fait, c'est leurs interactions qui mènent en fait à une discussion constructive. Pardon. Et moi, je vais me mettre dans un rôle de méchant. Et ça ne me dérange pas, en fait. C'est-à-dire que comme mon objectif, c'est d'engager cette conversation. Si moi, je suis le méchant qui essaye d'empêcher, c'est-à-dire moi, le jeu, enfin, nous, constructeurs du jeu, donc moi, le département de l'héros, tous les gens qui ont fabriqué, participé à la fabrication de ce jeu, on est tous, en fait, les méchants à l'intérieur de ce jeu. Les gens luttent contre le jeu, et donc, en fait, les joueuses et joueurs vont collaborer à l'intérieur du jeu autour de ces thèmes-là. Et donc, c'est ça qui va, je pense, le plus facilement ouvrir cette discussion. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format collaboratif plutôt que l'affrontement. C'est-à-dire que l'adversarialité, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle mettrait les gens, les joueuses, les joueurs, dans des positions où elles ont très envie de discuter. Vous voyez, elles ont envie de se battre, elles ont envie de plus parler à la fin du jeu parce que machin a gagné, que bidule est mauvaise perdante, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé vers quelque chose de collaboratif dans lequel on va vers quelque chose de plus... Disons qu'on arrive à un état plus consensuel final. El tema central del juego y la conversación que queréis tener se pues, gira, como ya has comentado, sobre la libertad de expresión. Pero me gustaría preguntarte por qué habéis decidido poner un artista en la piel del protagonista, por qué el personaje principal se dedica precisamente al arte. Parce que l'idée du jeu, en fait, c'était de poser les joueuses et les joueurs dans une position de neutralité, en fait. C'est-à-dire que on joue donc contre les créatrices, les créateurs du jeu, qui sont les méchants et méchantes, qui ont créé un jeu qui est adversarial, qui est contre les joueuses et les joueurs qui participent. Et donc, en fait, comme on joue dans une dictature, eh ben, cette dictature, elle va nous appliquer de la violence. Et nous, ce qu'on voulait faire quand on a créé le jeu, c'était que les gens qui sont à l'intérieur du jeu et qui jouent ne puissent pas répliquer à cette violence. C'est pas un combat en fait qu'on peut gagner avec nos petites mains contre les tanks du gouvernement dictatorial. L'idée c'était qu'on allait gagner justement par l'expression et montrer en fait que cette expression, elle est une forme de puissance politique en fait. Et pour faire ça, on a choisi effectivement ces personnages d'artistes. Donc, il y a breakdancer, celle qui pose des affiches, etc. Enfin, voilà, il y a des personnages différents et qui vont intervenir dans l'espace public sans violence, sans brutalité, en fait, pour contrer un petit peu le régime dictatorial. Voilà. Pues precisamente la última pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con estos regímenes de los que estás hablando, porque pues el juego presenta diferentes tipos de opresión, una opresión religiosa, una opresión populista, una opresión militar, otra totalitaria. Me gustaría saber un poco por qué habéis decidido que era importante mostrar estos diferentes tipos de opresiones, por qué hacer hincapié en la diferencia. Alors l'idée de donc de ces quatre dictatures, c'était de dire il y a plusieurs façons d'avoir un effet sur les esprits en fait. Donc il y a plusieurs façons politiques d'avoir un effet dans le monde. La première, c'est la plus évidente et la plus visible, c'est évidemment la dictature militaire. Voilà, il y a des chars dans la rue, il y a des grosses policières, des gros policiers partout et tout. Et c'est super dur de s'en sortir parce que voilà. La deuxième, c'est une dictature qui est plus morale et religieuse, en fait, spirituelle, dans laquelle il y a des prêtres qui essayent de reconvertir les gens. Puisque donc, toute l'idée du jeu, c'est qu'il y a un public qui est gris et nous, toi, la joueuse verte, moi, le joueur violet, on essaye de rendre les gens de toutes les couleurs. Donc, on essaye d'augmenter le paysage, la diversité du paysage colorimétrique du jeu. Et donc, dans la dictature religieuse, il y a des prêtres qui vont essayer de reconvertir les gens, de les re-rendre. Dans la dictature administrative, il y a des gens, il y a des règles partout, en fait. Et ces règles qui sont partout, personne ne les comprend, personne ne sait très bien quelle est vraiment la loi, ce qu'on est censé faire, etc. Puis elles changent tout le temps. Et donc ça rend évidemment le jeu un petit peu plus difficile. Et la dernière, c'est la dictature du spectacle, c'est-à-dire en fait l'idée qu'il y a des pubs partout, de la communication partout, etc. Et que donc en fait,
Ça aussi, en fait, c'est une forme d'oppression, enfin d'encadrement des cerveaux. Et donc, en fait, toutes ces dictatures-là, une par une, c'est de la plus évidente, hein, celle qu'on voit parce qu'il y a des chars dans la rue, à celle dont on n'est pas sûr qu'on comprend très bien ce qui se passe parce qu'il y a des pubs partout, mais est-ce que c'est vraiment de la dictature? Et donc, en fait, c'était ça l'intérêt, c'est-à-dire c'était de diviser ça en plusieurs conversations qu'on puisse avoir, donc d'ouvrir plus facilement la conversation. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Y pues Merci à nada. vous. Pues eso, decía que hasta la próxima y gracias. Au revoir, ciao.